les joints du temps. Jésus n'a jamais dit qu'à mon temps, il y aura des joints. Dans Matthieu, il dit, au dernier jour, au temps de la fin, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Parce que quelqu'un va venir te dire, il est ici, n'y allez pas. Il est là-bas, n'y allez pas. Qui est là-bas? Le Christ. Vous êtes dans Matthieu 25. C'est pourquoi vous allez voir les gens courent d'invitation en invitation. Non, mon pasteur est puissant. Moi, je ne suis pas puissant. C'est Jésus qui est puissant. Il est puissant. Ne faites pas la publicité pour moi, faites la publicité pour Jésus. Ne m'appelez même pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. C'est Jésus qui est le pasteur. Appelez-moi frère bienvenu. On va vous dire que le Christ est à Aouendje. C'est pas à tout le monde qu'il dit de ne pas aller. Ah oui. Alors, les autres vont aller. Oui. C'est parfait. Bien positionné. Mais il s'adresse à une catégorie de personnes là. Voilà. Il dit, vous n'y allez pas. On vous dirait qu'il n'y allez pas. Qui? Le Christ. Alors que veut dire le mot Christ? Il a une signification. Il n'a pas dit, on vous dira Jésus est là-bas. Donc à l'église où nous sommes ici, il y a les fils du diable. C'est parfait. Et Dieu va leur donner le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas douter de son Saint-Esprit? Non. C'est pareil comme le tien. Il dit dans les derniers jours, il y aura tellement de la séduction. Au point où celle-ci va pouvoir séduire jusqu'aux élus. Si cela était possible. Point d'interrogation, qui échappera à cette séduction? Je reviens de la Philippine. Là-bas, tout le monde a le téléphone iPhone. Même les petits enfants à la maison, on leur paye iPhone. Ça coûte combien? Alors, on va te dire, attention, nous sommes à côté de la Chine. Eux-mêmes, ils te disent, attention, la Chine est notre voisin. Il n'y a que nous qui connaissons le vrai iPhone. Oh, le vrai est à la même coque. A les mêmes caractéristiques que le faux. A les mêmes options. Que le faux. Que le faux. Mais comment vous reconnaissez donc le faux? Donc tu peux prendre tes pieds. Le commerçant connaît qu'il y a le faux et le vrai. Vous êtes avec moi? Oui. Le commerçant connaît. Il n'ignore pas le faux et le vrai. Alors quand tu viens dans sa boutique, je vous en prie, il ne va pas d'abord te vendre le vrai. Il va d'abord rendre populaire le faux. Il va rendre populaire le faux. Et il te donnera le prix du vrai sur le faux. Et il va te dire, c'est le vrai. Même les pauvres Maliens de la gare routière, quand tu vas payer quelque chose, ils regardent, disent, mais ça c'est le faux. Il dit, non, 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 c'est l'original. Toi-même, tu vois que c'est le faux. Il te dit, non, c'est l'original. Et il va te séduire. Il va te prendre le cerveau. Tu vas croire que c'est le vrai. Et tu vas ramasser ça. Et comme il t'a déjà convaincu que c'est le vrai, il te donne le prix du vrai. Qui est donc vrai? Qui est faux? On va retrouver ça comment? Et les gens vont à l'église avec cet esprit. Ils dansent à l'église avec cet esprit. Il prie avec cet esprit. Il crie avec cet esprit.
Et cet esprit reçoit le véritable esprit de Dieu. Et pourtant, c'est un démon. Le fameux petit prophète qui est... Il n'est même pas prophète. Et où Emmanuel? Non, il n'est pas Emmanuel. C'est moi, Emmanuel. Ça, c'est pas Emmanuel. Il dit au Gabonais, venez le 26. Ce que vous allez voir. On va voir quoi? Ils vont à la télé. Il y a un monsieur qui débat avec eux. Il dit, qui est Nadège? Il dit, je te demande ce que les Gabonais vont voir, ce que mon père fait. Donc, si le fils peut le faire ici, le père est plus que ça. Monsieur, toi qui doutes de ça, qui est Nadège? Il dit, Nadège, c'est ma petite sœur. Il dit, tu es... C'est ce que les Gabonais vont voir. La séduction. Même lorsque Jésus était au puits avec la prostituée. Bien sûr. Jésus n'a jamais dit, madame, ton mari s'appelle tel. Non. Jésus a révélé le mal. Il est allé chercher la guérison. Il dit, madame, tu as eu 5 maris. Et il y a un autre à la maison. Et ce n'est même pas ton mari. Amen. Après m'avoir donné le nom de mes soeurs, de ma mère et de mes tantes, qu'est-ce que ça a eu à voir avec mon âme? Qu'est-ce que ça a eu à voir avec une guérison? Alors, consultez les annales. Vous allez trouver que c'est un devin. C'est un médium. La Bible parle. C'est un médium. Et les médiums travaillent avec les esprits des démons. Le mot Christ veut dire le moi. Le moi. Le moi de quoi? Et qui va le moi? Le soleil typifie qui? Christ. Et le soleil est mort. La pluie typifie quoi? Le Saint-Esprit. De la même manière que le soleil se lève dans le bon et le méchant, de la même façon, il fait pleuvoir son Saint-Esprit sur les mauvais et les justes. Sur les justes et les justes. Wow! Vous me dites amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Or, dans l'esprit, qui est moins? Dieu a créé seulement le corps. Mais cet homme n'a pas d'âme. Hein? Hein? J'ai envie de dire, ce prophète n'a pas d'âme. Qu'est-ce qu'il a? L'esprit. Et qui lui a donné l'esprit? Oh non, 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 je n'entends pas votre voix. Hein? C'est le diable, le patron du monde. Le patron du monde. Et il meurt. Pendant que toi tu es triple, parce que Dieu est parfait, eux ils sont doubles. Oh. Oh. Ah. Les grandes personnes comprennent déjà de quoi je parle. Ils sont, les sorciers sont, mais les sorciers ne sont pas. L'esprit qu'il a ici, c'est le diable qui lui a donné ça. Il n'est pas sorti de Dieu. N'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il la parole? Parce qu'il n'est pas, il n'est pas là et qu'il n'est pas sorti de là, il ne peut pas prêcher. Alors il fait quoi? Du haut de la chair. Dans sa doublure,
Dieu ne va pas lui créer le troisième corps. Non, la dimension n'est pas lui. Le Dieu triple va aller rentrer dans son double. Pour alourdir la charge. Et quand Dieu rentre dans son double, et il meurt, ça devient ce que le décodeur écrit, surcharge. Hey. Les interférences. Surcharge. Il a la surcharge où? Dans l'esprit. Et c'est de là qu'il est dit. Alléluia. Et quand tu deviens surchargé, tu deviens négatif. Tu ne donnes plus l'image. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Et donc, laissez les doubles personnes venir à l'église. Faites-leur du bien. Et ils sont du haut de la chaise. Comme ils choisissent de venir le haut du haut, Dieu va leur donner l'onction. Amen. Et quand ils reçoivent l'onction, alors Jésus dit, quand je vais leur donner l'onction, et l'onction qu'ils ont permanente du diable, ils feront beaucoup de miracles. Jésus n'a jamais dit que les enfants de Dieu feront beaucoup de miracles. Donne-moi, il a dit, voici des signes qui accompagneront. Mais les gens à qui Jésus a dit, ils vont faire. Non, vous n'êtes pas avec moi. Les gens à qui Jésus a dit qu'ils vont faire. Non, vous ne dites pas ça bien. Beaucoup de. Oh, les gens cherchent quoi? Et qui fait des miracles? Les enfants du diable. Mais les fils de Dieu prêchent la parole. Difficile aujourd'hui de voir les gens aller à l'église pour aller chercher la parole. Alléluia. Il veut quelqu'un qui lui enlève le lion. Il veut quelqu'un qui lui enlève le sida. Il veut quelqu'un qui lui enlève le diabète. Il veut quelqu'un qui lui enlève la tuberculose. Il veut quelqu'un qui lui enlève, 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 qui lui enlève. Alléluia. Quand Jésus a ressuscité Lazare, ouais. Quelques membres de l'église sont venus. Il dit, après avoir entendu le miracle, nous voulons voir pas Lazare. Jésus venait de faire quoi? Le miracle. Avant ça, les gens là lui cherchaient. Alléluia! Avant ça, les gens cherchaient Jésus. Est-ce que Jésus est la parole? Mais lorsque Jésus a fait le... Alléluia! Quelques Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus qui a opéré le miracle. Oh, diamant! Alléluia! Comme ils ne cherchaient pas la part, Jésus était là. Et c'est à lui qu'on posait même la question et on ne le voyait pas. Oh, l'apôtre ne prie plus pour les malades à plein ciel. Nous, on va aller là où on prie pour les malades. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas moi qui conduis l'église là. C'est Dieu qui conduit l'église. Le jour où il décide de guérir quelqu'un, gloire à son nom. Le jour où il décide de prêcher la parole, gloire à son nom. Mais je ne suis pas le chercheur des miracles. Je suis le chercheur de la parole. Parce que la profondeur. Je peux vous dire quelque chose? Dis-nous ça. Le don de miracle est le don des païens. Mais ça n'attire pas le regard d'un enfant de Dieu. Non. Nous, on est ailleurs. Amen.
Vous voulez que je vous donne le vrai nom du miracle? La séduction. C'est ça le miracle. Dieu fait ça pour attirer les gens. Et dès qu'il attire, il attire, il attire, il attire, il attire, il attire. Il y a déjà des crocodiles. Il y a déjà des feuilles mortes. Il y a déjà des têtards. Il y a déjà des poissons. Le filet est allé dans l'eau. Amen. Et quand le filet remonte, il ne remonte jamais seulement qu'avec du poisson. Il y a les feuilles, il y a les morceaux de bois. Il y a même des serpents dedans. Il y a les serpents, les scorpions de mer. Et il meurt. Est-ce que tout ça là, ça va terminer dans la pirogue? Eh oui. Alléluia. Alors Jésus dit, pendant que tout le monde est maintenant dans la pirogue. Oh, je me sens bien. Ouais. Alors le Seigneur va laisser la face de jeter le filet. Ouais. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Il va passer à un autre niveau. Il va passer à un autre niveau. Si vous ne mangez de ma chair, il va leur prêcher la parole. Alors qui n'est pas de la parole va quitter ce bateau. Je peux te dire quelque chose? Ceux qui suivent la parole, ce n'est pas facile que la parole les bénisse. La parole les éprouve d'abord. La parole les teste d'abord. Pendant combien d'années? Je ne peux pas te donner le nombre d'années. Mais quand la parole va s'élever, alléluia, le monde verra que la parole s'est élevée dans ta vie. Donc, cherchez la parole. Ne cherchez pas les miracles. Parce que Branham me dit, le miracle qui t'arrive tout à l'heure, Dieu te guérit. Le même démon. Il va faire une association. T'attends dehors. Et la même maladie va venir. Je ne cherche pas les miracles. Quand les miracles passeront, je peux recevoir un miracle là tout à l'heure. Et le miracle là va passer. La bénédiction de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Moi, mon bonheur est éternel. Je ne cherche pas le bonheur des hommes parce qu'il va passer. Mais si Dieu te donne de l'argent, cet argent, malgré les fétiches, malgré quoi que ce soit, je te prédis que l'argent là va se multiplier. Les croyants cherchent le miracle, le ticotac. Les croyants cherchent le mariage. Les croyants cherchent un prix sur leur dossier. Le croyant cherche l'évolution matérielle. Mais les choses là vont venir. Cherchez premièrement. Oh, que mon église me répète ça. Cherchez premièrement. Et dès que tu trouves le royaume, et toutes ces choses vont venir par la suite. Ça va venir. Diplôme ou sans diplôme, Dieu ne bénit pas parce que tu as des diplômes. Le prophète général Makosso, je me demande s'il y a un ministère qui s'appelle général. Il faut un titre qui impressionne. On l'a gradé ou on en fait? Il est général de quelle troupe? Il est général des esprits sataniques. Et toi, tu prends tes pieds. J'ai pris chez le prophète. Tu vas encore aller. Ils sont mal tombés au Gabon. Ils sont mal tombés dans le monde. Parce que le patron de la vérité est déjà sur le terrain. Je vais dépouiller tout ça. Et les Gabonais connaîtront la vérité. Dieu suscite qui? Oh, l'esprit de l'île ne fait pas de compromis. L'esprit de l'île ne ferme pas la bouche. Je dis, je vais tuer le prophète d'Ovendo.
qui s'appelle prophète dans le Gabon, je veux les tuer. Attention, ça risque de se passer même physiquement. Mon Dieu risque de passer en action. Miracle sur miracle, miracle sur miracle. Regardez ce que les prophètes la font. Alléluia. Les églises vidées. Tout le monde est là-bas. Alléluia. Et lui regarde. Il dit, je viens de Dieu. Seigneur, tout le monde m'a abandonné. Je suis resté seul. Un vrai prophète. Il crie auprès de Dieu. Il dit, je suis resté seul. À Mwanda, j'ai vu ce prophète vendre la grâce à 20 000. Comment quelqu'un peut vendre la grâce à 20 000? Quelque chose qui n'a pas que tu sois détenu. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge où les gens sont déshabillés, nus, et ils ne le savent pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne le sais pas? Parce que ton cerveau est travaillé dans les fétiches. Jésus dit, toute âme que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Moi, j'ai besoin, avec ton amen, qu'on déracine ça. Quand Dieu était monté en haut et il est redescendu en vendant les dons, il a fait comment? Il a donné. Est-ce que le don que Dieu t'a donné, il te l'a donné avec de l'argent? Le don que Dieu te donne, si c'est payant, pourras-tu payer? Connais-tu ce que Branham révèle de ce que, comment les sorciers font pour aller en prière, en vampire? Branham me dit, pour que le sorcier sorte, qu'il quitte son corps, pour entrer dans le corps invisible, il doit réciter Notre Père qui est aux cieux. Il doit terminer par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paf! Vous savez, moi, quand je me lève, si vous l'avez déjà vu, je m'en vais vers quelqu'un. Je dis, Mamie Wata, ou Monsieur Tel. Je viens d'entendre le nom. Amen. Il y en a beaucoup qui pensent que... non. Lui aussi, pas. Esprit des eaux. Amen. Et vous allez voir quand il fait ça. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Tu pousses le pauvre sur quelle base? Regardez le français. Vous imposerez. Vous me jetez au sol, je vous ai fait quoi? Parfois, si tu es puissant, monte la main de loin. Tu vas voir le mauvais esprit là reculer seul. Il y en a à plein ciel ici qui le font. Oui. Ça. Jésus disait, lève-toi et marche. Frère Branham dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi de ta civière. Dis, lève-toi. S'il sent que tu n'arrives pas à te lever, dis, donne-moi ta main. Lève-toi. Pierre a pris un homme à la main. Il dit, je vais t'aider. Jean. Nous ne cherchons pas les miracles. On a le Dieu des miracles. Amen.